C'était Mogwai de la Team Zombie Gamer et aujourd'hui on se retrouve pour le 8ème épisode de Destiny. Et si je me trompe pas, c'est bien le 8ème hein, parce qu'on a tellement de séries que voilà. Donc écoutez, la musique tuto recalme, ok. Oh, c'est incroyable ça. Donc la dernière fois sur Destiny, on avait bien avancé. Moi je m'éclate, hein. Je vous le dis totalement, je vous le dis tout de suite, je m'éclate sur ce jeu. Mais comme rarement d'ailleurs, hein, parce que. Ça faisait longtemps que j'avais pas fait un si bon jeu. Et donc ça fait plaisir. Ça fait vraiment plaisir. Et donc voilà, je tourne sur Destiny parce que je kiffe ce jeu et j'ai envie de vraiment d'avancer, de m'améliorer. Et donc la dernière fois, je vous avais laissé, on devait aller parler. On était niveau 25. Avec un 133 de lumière. On devait aller parler aux gens. J'avais fait quelques modifications sur mon skin et mes armes. Et voilà, donc on devait aller parler, hop, à là, voilà, on devait aller à la tour, même si j'étais déjà quand j'ai quitté, mais je sais pas pourquoi il m'a remis dans l'espace, enfin bref, c'est parti, ça va aller vite, hein. Et puis voilà, j'ai essayé de changer de vaisseau, mais j'ai pas assez d'argent, j'ai pas assez d'argent des abonnés, et puis donc voilà, hein, on s'en achètera un quand... Quand j'aurai une plus grande somme d'argent en liquide, et puis ce sera parfait. Ce sera parfait. On fait le voyage en vaisseau. Allez, vas-y. Blablabla, voilà. Hop, on y va. On va voir le voyageur. Ok. Donc on a deux personnes à voir, une qui est là-bas, donc on va commencer par elle. Allez, go. Cassé quoi? Cassé, c'est toi qui as fait. Alors elle, on n'a plus besoin de la voir, c'est là-bas qu'il faut aller. Veuillez m'indiquer votre identifiant pour l'épreuve. Alors, elle non plus, on n'a plus besoin, c'est lui. Hop. Préparez-vous au pire. Alors. 61 de défense, 60, d'accord. J'ai toujours su que vous y arriveriez, gardien. Ça m'a. Ouais, ça sert à rien. Soyez ferme. Ah, amélioration, parfait. Alors, on va améliorer ça. Hop, inspecter. J'ai une amélioration. Si vous blessez un ennemi à l'aide d'un drain d'énergie, ça augmente temporairement votre vitesse de déplacement. De même que la vitesse de votre arme. Ouh, cool. Du coup, les gantelets, j'en ai pas besoin. Donc, on va les démanteler. On va les démanteler pour la beauté de la forme et pour gagner du lumen et des pièces d'armure. Voilà, c'est parfait. 130, 125 et 82. Si on va les hop, démanteler. Voilà. Et c'est tout normalement. Alors, là je suis à 2 sur 2. Ça, on va pour l'instant. Hop, et on va aller voir le deuxième. On va aller voir le deuxième pour voir ce qu'il nous veut. Fait choisir entre un truc d'armure, enfin des bottes ou des avant-bras. Donc écoutez, moi j'ai pris lui. Hop. Et on va aller voir, je pense que c'est le gars du. Le gars qui parle le nom du voyageur. Je pense que c'est lui. Il faut aller voir, hein. Il n'y a que lui dans cette direction de toute façon. Ah, voilà. Allez, qu'est-ce qu'il va nous vouloir? La dernière fois qu'on l'a vu, il nous a passé niveau 25. Alors, qu'est-ce qu'il va nous donner? Votre puissance ne pourra qu'augmenter. Alors, le voyageur est toujours brisé et fragile, comme nous le sommes aussi. Mais aujourd'hui, un bref moment, sa lumière a connu un léger sursaut. Vous avez ravivé l'éclat de notre espoir. Votre champ de grandit, je ne saurais trop vous remercier. Réquisition d'armes. Très bien. Ah, cool ça. Retournez au combat, gardien. Ok, donc ça, d'accord, on va devoir aller à... Oui, d'accord, ok, j'ai compris. Il nous a donné un bon, pour ceux qui l'avaient pas compris, il nous a donné un bon pour choisir une arme. On va essayer de prendre une arme de badass, hein. Et puis voilà. On va aller vite fait le voir et après on repart. On est quand même à la moitié du niveau 25, hein, ça c'est cool. Et il est là-bas. Là. T'inquiète, avec moi tu l'es plus. Faudra que ça passe. Hop, allez mon gars. Ça va mon poteau?
T'es de la même race que moi. Alors je vais essayer une récompense 50, 50, 50. Ah, le psy t'aime plus. Alors on va prendre lui, écoute. Hein, mais, hein. Est-ce que j'ai le droit d'acheter des armes? 122, 122, 132, mais il faut le niveau 26. Ok. Nécessite le niveau 38. Ouais, 200 quand même. D'accord. Soyez prudent. Et elle aussi, on va la. On va la démanteler. Elle nous sert à rien. 130, 126, 135. Ok. Hop, ça c'est parfait. 42. Ça, on va la démanteler aussi, elle sert à rien. Et là, ils ont tous un truc intéressant. Ça, 125 et 130, 134, 125, 130. Ouais, voilà, ok. Allez, go. Donc, on repart pour l'émission. Alors, qu'est-ce qu'on... On va décider de ça plus tard. Hop, ça rentre en orbite. C'est parti, on part en mission. Allez. Ouais, donc, on a fait tout ce qu'on avait à faire à la tour. Et puis, voilà, écoutez. On part en mission. Alors, qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui? Je n'ai même pas regardé les missions qu'on devait faire aujourd'hui, les amis. Alors, quête. Donc, alors, l'appel de l'inconnu. Terminer la mission, l'appel de l'inconnu, donc sur Vénus, d'accord. La légende des arcanistes, faut attendre le niveau 30. Les ténèbres souterrains, terminer la mission, épée de Cropta. On va faire celle-là. On va faire celle-là. Alors, où est-ce qu'elle est? L'épée de Cropta. L'épée de Cropta, elle est ici. Allez, go. Alors, c'est la mission. Niveau 8, c'est parfait. Allez, on y va. On y va en solo. Et c'est parfait. Boum. On repart sur la Lune encore. Ah, j'aime bien, moi, la Lune. J'ai regroupé toutes les données du Cryptarque au sujet du temple de Cropta. Écoutez, jadis, la lune tomba aux mains de Cropta, dont l'épée était capable de détruire la lumière. À présent, Cropta dort, mais son épée, elle veille encore. Les arcanistes croient qu'elle est gardée par les princes de la nuée. Si vous parvenez à la récupérer, nous ferons en sorte que plus jamais elle ne soit brandie. Ok, parfait. Allez. Donc on va aller récupérer cette épée que j'utiliserai moi-même pour détruire le voyageur. Non, t'imagines quand même le twist. La seule manière de détruire l'épée est de tuer ses créateurs, les princes de la nuée. On dit que l'un d'eux garde le site d'un rituel près du gouffre des enfers. Commençons par lui. T'imagines le twist quand même, genre t'arrives et tout pour en fait tu sauves le monde et au final non tu le détournes comme une bouse. Voilà, on les aide pas, hein. On a d'autres choses à faire. Plus urgente. On a une mission, on est envoyé par le directeur de la sacro-sainte relique. Wouhou! Merde, je suis con moi. J'ai cru. En fait, on peut pas sauter, c'est ça que j'ai oublié. Hein. Le gouffre des enfers. Le site du rituel est droit devant. Ok. Ah merde! J'arrive à me dire que je peux pas sauter, que si je fais X, en fait, ça me dégage du vaisseau. Hop. On va pas perdre de temps avec eux. Hein. Et là, c'est ça? Non, ça a pas l'air d'être ça. Ça a pas l'air d'être ça. Ça a l'air d'être plus loin. Ça a l'air d'être ça. C'est ici que nous le trouverons. J'espère que vous êtes prêts. Ah! Putain, mais on fait peur, c'est con. Je savais pas du tout... Je savais pas du tout ce que c'était, là, genre... Ils m'ont fait flipper, c'est con. Bande d'abrutis!
fais des lames, c'est un petit truc de merde. Boum, ma gueule. Voilà. C'est un petit truc de merde, ça va. Un de moi. Je vais nous conduire jusqu'aux autres. Voilà. Codex de soi, vas-y mon gars. Qu'est-ce que vous voulez, vous? Qu'est-ce que tu veux, toi, là? Hop. Voilà. Y'a un problème, là? Allez, go. On va invoquer le passereau. Où est-ce qu'il est, l'autre? Il est... là-bas. Attends, je vais faire mal. Ouais. Ça c'est fait. Voilà. Eh, le pompe il fait mal. J'avoue que le pompe il fait bien mal. Hop, on recharge. Sans vouloir vous faire peur, j'ai repéré l'épée près de la lumière des gardiens qu'elle a tuée. C'est un peu plus bas. Ok, t'inquiète. Apparition limitée. T'inquiète, ma gueule. On est largement supérieur à eux. Regarde-le, ce petit con. Regarde-moi, ce petit con. Allez, headshot. Un engramme, je vais aller récupérer. Voilà. Hop. Hop, hop. Ah, tranquillou, les gars. Vous ne me ferez plus jamais peur. La lumière est en moi, la force est avec moi, les amis. La force est avec moi. Je sens son aura. La force est avec moi. La sang, elle traverse mes veines. Y'a quoi? Y'a quoi? Y'a quoi? La force est avec moi, les amis. Elle traverse mes veines. Elle est dans mon sang, je la sens. Qu'est-ce que tu veux, toi? Tu crois que je t'ai pas vu en haut? Viens là! Viens là, enculé! Je crois que je t'ai pas vu en haut! Éliminez-les. Bah, suivez. Où est-ce qu'il est, le coquin? Ah là, toi t'es mort. Toi t'es mort, toi t'es mort. Ok. Voilà. Prenez l'épée. Ça devrait les forcer à se montrer. Oh, attention. Elle est dotée d'une force obscure. Génial. Viens là. Venez là, tout ce que je veux tuer là. Qui sont. Y'a quoi là? Elle fait mal! Elle fait super mal! Elle fait super mal! Boum! Elle déglingue, mais tout le monde, quoi, genre des gars. Je suis le pourfendeur. Je viens t'oxyre avec mon épée. Simple et mortel. Allez, les princes, venez ma gueule. Boum. Boum. Oh, oh, oh. On se calme, on se calme. Allez les princes, je vous attends là. Portez vos couilles. Portez-moi vos couilles. Bon, voilà, les amis, c'est rien passé. En votre absence, ne vous inquiétez pas.
J'ai coupé au bon moment. Y a aucun problème, je n'ai rien fait, je vous ai attendu. Witness! Viens voir, je suis Palpatine. Appelle-moi Palpatine. Oula. Tout autour de nous. Les princes de la nuit sont là pour l'épée. Carole! Viens là! Boum! Boum! Oula, oula, on va se casser. On va se casser. Il nous fait mal, il nous fait mal. On se casse! Viens là! Boum, ma gueule, t'es mort! Et 1 sur 3, allez! Boum! Boum! Il est où le troisième? Venez là! Oh! Oh, il est là! Ah, attends, il nous a fait un Batman là? Ok, il nous a fait un Batman. Ouh, on se casse! Toi, casse-toi. C'est en Dax! C'est en Dax! Viens là, d'accord. Non, je ne suis pas. Non, je ne suis pas. Oh là, 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 là, là. On se casse. Attendez, c'est de la stratégie, c'est de la stratégie, les gens. C'est de la stratégie. C'est de la stratégie. Attends, je te tue, voilà. Théo. Boum, ma gueule. Décapitation. C'est toi le dernier? Non, toi t'es un acolyte. Un acolyte de mes deux. Esquive! Esquive! Qu'est-ce que tu crois? Tu crois que ça va m'arrêter? Boum! Boum! Allez, venez! Voilà! Alors, on se casse! Voilà! Boum! Headshot, motherfucker! Bah voilà! Elle a disparu. Vous les avez tous tués. Eh ouais, ma gueule! On dit que c'était l'une des armes les plus puissantes jamais brandies contre nous par la ruche. Les cryptarques n'en croiront pas leurs yeux. Eh ouais, mais on est, mec. On est Palpatine! Bon, allez, comme d'hab, on va s'asseoir. On va méditer. Voilà. Et on attend. Voilà. Les gars, mais ils peuvent pas nous tuer. On est trop fort, on est trop puissant. Ah, l'épée, non, j'avoue que l'épée envoie du lourd, quand même. L'épée envoie du très gros. L'épée envoie du très gros. J'avoue que là... Là, j'avoue que ouais. Il y a concept. Il y a concept, donc ça, c'est parfait. Donc, l'épée de Cropta, on l'a fait. Bah, écoutez, c'est parti pour une nouvelle mission, hein. On peut faire une deuxième mission. En fait, vous voyez comme ça va plus vite quand on chope le système des choix des missions. C'est... Voilà, hein. Alors, là, j'ai un engramme. Là, c'est quoi? C'est des potes purge d'aura, 125. J'ai purge d'aura 1, et les purge d'aura... Ouais, démanteler L. Voilà. Oh, 125 et 125. Bon, écoutez. Alors, qu'est-ce qu'on va faire maintenant? Ténèbres souterrains. Parler hérissement dans la tour. Non, pas encore. Ellipse, les amis. Ellipse. Ok. Alors, à tout le monde. Alors, attendez, on en était où, nous? Voilà, quête. Alors. 10 sur 32. Blablabla, ça c'est bla. Alors attends, éliminer. Oui, ça je vais bientôt le faire, je vais bientôt le terminer. Attendez. Ça, j'ai pas envie de le faire parce que ça me fait retourner à la tour et ça me fait perdre du temps. Ça, c'est pas ça. Bah écoutez, on va faire ça. Comme ça, au moins, de la Lune, on ira sur Vénus, voilà. Voilà, l'appel de l'inconnu, niveau 10, facile. Allez, let's go. Voilà. On peut aller sur d'autres terres.
Ok. On y va, let's go. Et puis on reviendra à la tour pour... Notre nouvel ami doit posséder des talents très spéciaux pour avoir pu nous joindre comme ça. Son message radio venait de quelque part dans les jungles de Vénus. D'accord. Donc c'est la première fois qu'on va à Vénus. Première fois qu'on va à Vénus, les amis, on va voir ce que ça donne. Mais, d'accord. Cette colonie a été bâtie par le collectif d'Ishtar. On dit qu'ils étudiaient des ruines plus anciennes que l'humanité. Tout a sans doute été perdu lors de la chute. C'est beau. Mais dis donc, c'est pas mal ça. Cette petite ville là, même si elle est en ruine, elle est bien faite. Pas mal ça. Bon allez, alors c'était quoi la mission d'ailleurs? J'ai même pas été voir. On va voir. Faut retrouver notre amie, c'est ça? Je n'aime pas l'idée de crapahuter ici sans avoir une idée claire de la topographie. Il y avait un avant-poste des gardiens par ici autrefois. Voyons si on peut en tirer quelque chose. Hop. Allez, go. Va. C'est pas mal, ça. C'est très beau, Vénus. Olé, 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 olé. D'accord, ça commence bien. Allez, ils sont là, eux aussi, là. J'ai oublié. Sauf qu'ils sont bleus, maintenant. Ça, c'est intéressant. Là. Maintenant, ils sont bleus. Ça, c'est intéressant. On va avancer prudemment, les gens. Là-bas, il y en a. On va avancer prudemment. Par hasard, il faut aller là-bas. Ah, ils étaient camouflés, les connards. On y va prudemment. Voilà. Ouais. Utilisons le spectre, allez. Hop. Petit spectre avec sa combinaison vert, notre petit Gustave. Le passeau est accessible. Il était déjà accessible. Un tout de machine de guerre appelée Vex. Indestructible, implacable, extrêmement intelligente. Et elle peut se téléporter. Ah. Charmant programme. Les gardiens avaient autrefois des détecteurs pour les pister. Il faut les réactiver. D'accord. Allons-y, c'est parti. Hop. Quoi? Ah, c'est ça, d'accord. Je cherchais ce bruit justement. Je me disais. Force corrompue infecte la zone. Allez, son devant. Ah non, ça recommence pas. Hein. Ça recommence pas les boules comme ça là? Non, moi j'ai pas signé pour ça. Ils font mal ces petits cons là. Ils font mal ces petits cons. Mais casse-toi, wesh. On va essayer de les esquiver. Hein. Si je pense pas que ça va être facile, mais. Ok. Ça touche là-bas. Grenade. Les détecteurs de Vex devraient être plus loin. Ouais. Oh. C'est fait, oui.
Comment arrêter ces connards là? Comment arrêter K-pop? Ouais, je vais mourir. Allez, allez, on se casse, je vais mourir. Je vais mourir. Comment faire pour les taper sans qu'ils me démontent la gueule? On va essayer de contourner. On va essayer de contourner, les amis. Voilà. Si j'arrive par là. Hop. Est-ce que ça passe? Non, ça passe pas. Merde. Merde, c'est-à-dire que je suis obligé d'entrer par le... par devant. Ok, bon. Bah écoute, on va récupérer tout notre skill. On va prendre tout notre skill et on va. Et puis voilà, on va les affronter hein, à l'ancienne, écoutez. Ok, il n'y a plus personne, c'est étrange. Ah, il y en a un qui est proche. Il y a un gardien qui est proche, qui va peut-être m'aider. Au moins, on a accès à d'autres trucs. Les détecteurs sont efficaces. Ils couvrent des kilomètres. Ok, je devrais pouvoir pister ces machines. Rendons-nous aux coordonnées, histoire de voir ce qu'elles voulaient nous montrer. Ok. Les coordonnées qui sont là-bas. D'accord, donc il y a un niveau 40 avec nous. C'est plutôt pas mal. Hop, on va prendre ça. C'est plutôt pas mal, ça va nous aider. Ouais. Voilà. Qu'est-ce que vous faites là, vous? Ok, donc c'est à l'intérieur du bâtiment. Oh! Ok. D'accord. Par là. Je détecte des Vex. Tout autour de nous. Des Vex? Mais c'est quoi des Vex? Les coordonnées mènent ici? Mais qu'est-ce que c'est? Laissez-moi vérifier. C'est quoi les Vex, les amis? Vas-y, mon spectre. Vas-y, Gustave. Mais là, j'aime pas ça. Une confluence de rayons non baryoniques, dirigée vers... Non, les Vex! Mettons-nous à couvert! C'est quoi les Vex? Oh, oui, d'accord! On va sortir le pompe. Ok. J'ai compris. Ok, ouais, on est toujours dans le combat. J'ai pas avancé, vous inquiétez pas. Ça c'est des Vex donc. D'accord. Ok, hein? On va prendre en compte hein. Allez. D'accord, donc on va jouer tactique. On va jouer tactique. Gramme encodé, parfait. Ok. Hop, j'en ai tué quelques-uns. Parfait.
Oh. Ok. Bizarre tout ça. Allez. Tout ça est très étrange, les amis. Ok. 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 On va prendre. On va faire un petit. Une petite variation d'armes. Ok, donc l'évêque, c'est ça. Ok. Hop. Minotaure, ça fait mal. Hein. Heureusement, ils font pas trop mal. Ça va. Ok. Heureusement, ils font pas trop mal, ça va. Je crois que c'est bon, j'ai réussi. Non ? Ouais, c'est bon. Ok. Mais qu'est-ce que c'était ? Qu'est-ce qui s'écoulait de ces choses ? Est-ce qu'il en reste ? Que je puisse l'analyser ? Oui, il en reste. Analyse. Cinématique. Allons-y. Bien joué. Oh, mais c'est elle qu'on a vue la dernière fois. Nous devons faire vite. Qui êtes-vous? Pourquoi nous suiviez-vous? Je vous l'expliquerai bien, mais j'ai déjà perdu beaucoup trop de temps. Oui, oui, je vais le faire. Faire quoi? Je ne m'adressais pas à toi, petite lumière. Je suis un spectre, en fait. Tant de gardiens ont échoué. Même les plus forts. Mais vous, vous avez réussi. Oui, j'écoute. Ils sont ici, avec moi. À qui parle-t-elle? Bien compris. Vous avez besoin de moi, gardien. Est-ce pourquoi vous nous avez guidés jusqu'ici? Ce sont eux qui nous ont guidés jusqu'ici. Les Vex. La race la plus maléfique qui puisse exister. Ah bon? Je croyais que c'était les déchus. Vous n'êtes pas une gardienne. Non. Ce n'est pas la lumière qui m'a créée. Mais si nous unissons nos forces, nous les brisons. Ok. Que savez-vous du Jardin Noir? Rien du tout, ma gueule. Ce qu'en disent les légendes. C'est là que réside la pire menace qui pèse contre nous. Ces machines viennent de là. Trouvez le Jardin Noir et détruisez son cœur. C'est le seul moyen de sauver votre voyageur. Ok. Comptez-vous nous y aider? Ouais. D'autres défis m'attendent. Désolé. D'accord, donc c'est comme d'hab. Si nous voulons trouver le Jardin Noir, nous devons aller voir les éveillés. Ah oui, les éveillés. Ceux-là même qui hésitent entre l'ombre et la lumière. Il faut toujours choisir son camp, petite lumière. Même si c'est le mauvais. Trop tard, je rentre. Ils sont nombreux? Ne bougez pas, coupez les moteurs et ne vous faites pas repérer. D'accord, la meuf, elle peut se rendre invisible. Où les trouve-t-on, ces éveillés? Ils vivent très loin, au bord même des ténèbres. La lumière n'y brille presque plus. On ne pourrait pas rester plutôt ici, avec les robots tueurs? Non.
petite lumière. Albatin. Comment c'est pas? Ouais. Albatin. Eh, hey, toi, tu t'appelles Gustave, je te signale. Hein. Alors, tu respectes. Voilà, cinématique, là, allez, go. Non. On n'a pas besoin d'une petite fondue au noir, là, pour... Bon, au moins, on a terminé la mission. Ça, c'est parfait. Ok. C'est parfait, donc on a fait l'émission. Oh, on a une nouvelle coque de spectre. On va voir ça tout de suite. On a encore un tout petit peu de temps, même si on a dépassé largement le temps de vidéo. Mais écoutez, moi j'ai envie de voir ce que ça va nous donner. Bientôt à la fin du niveau 25, 125, coque revisitée. Force plus 9. Non, bah écoutez, non, j'ai pas envie. Et là, on a des engrammes, 120 d'attaque, 127, 127, et moi je suis à 130. Et là, 130, 127, 127, 125, ok. Là, j'ai rien d'autre, j'ai beaucoup d'engrammes, donc on va rentrer à la tour, je pense. On va rentrer à la tour. Hop. On va rentrer à la tour. Hop. Voilà. On va rentrer à la tour pour voir un peu, pour parler aux gens. Parce qu'on doit parler encore à des personnes qui vont nous redonner des missions. Allez, non. Ah oui, parce que c'est le temps qui charge le truc, qu'on aille jusqu'à la planète Terre, puis qu'on aille à la tour. Ça prend du temps. Allez, go. Parfait. Youhou! C'est stylé. Moi j'aime bien en fait ce vaisseau. Je sais pas si je le changerai. J'aime bien. Pas besoin de le changer. Qu'est-ce que vous en pensez? Bah ouais. Pas trop besoin. Ah les amis. Là franchement je m'éclate. Ce jeu est génial. Ça fait vraiment penser qu'on est Buzz l'éclair, un gardien de l'espace. Et un ranger de l'espace même. Hop, on arrive à la Terre. Et là, le temps qu'il aille au cosmodrome. Ok. Donc on va parler à l'engramme, au cryptor, au cryptarque. Cryptarque, à chaque fois, je ne sais pas parler, je me cache. Ah, code de soi, j'ai 200 lumens. Cool. Assemblée. J'espère que ça vous sera utile. Ok, bro. Soyez prudent. Alors, qu'est-ce qu'il nous a donné comme arme? C'est celle-là. 137. Ouh. 137. Pas mal. La classe, la qualité. 137, la qualité, mais... Mais bon, enfin bref. Là, c'est niveau 126. Donc, on va regarder. Et là, c'est niveau... 136 et je suis à 134. Hop là. 136, 136, 139 et 139. Cool. Moi là je suis full def. Enfin, je suis bon en défense. Et l'autre, qu'est-ce qu'il nous veut? On va voir qu'on lui parle pour ce qu'on lui a fait. Ah, il y en a un qui a fait. Que pas ça. Oui. C'est de cette force que nous aurons besoin. L'épée est brisée. J'ai senti les thèmes qu'elle contenait quitter ce monde. Pourtant, les dieux de la roche Cropta continuent à tout à fait renaître. Son champion, le point de Cropta, assis dans sa tentative, trouvait dans le cosmodrome et mettait un terme à sa vie. Tu es Sardon, le point de Cropta, avant que la ruche n'éveille l'âme de Cropta. Ok, donc ça, c'est une nouvelle mission. Ça, c'est parfait. Non. Et est-ce que Ikora Rei va nous donner de l'XP? Quelque chose vous empêche de dormir? J'étais sûr que vous alliez vous en occuper. Voilà, nouvelle étape. La voie abyssale. Nous nous reverrons. Niveau 26, voilà. Est-ce que je peux lui acheter des trucs, moi? Là, c'est niveau 40. D'accord. Ok. Pour le casque, il est génial. Qu'est-ce que génial. Faites bien attention, les dangers sont nombreux.
Ok, bah écoutez les amis, je pense qu'on est bon, hein, on est niveau 26. On est niveau 26, je pense qu'on est super bon. La prochaine fois, dans le prochain épisode, on fera, qu'est-ce qu'on fera? Ah, on a réussi la mission avec les frags, d'accord. Générer 25 orbes à l'aide de la bombe Nova, d'accord, bon, ça va. Ok, on fera celle-là, le point de Cropta, et on fera le fruit du jardin si on a le time. Si on a le time, parce que je ne vous promets rien, ça on le saura quand on sera niveau 30, hein. On est niveau 26, plus que 4 niveaux. Et dans le prochain épisode, on fera le point de Cropta avec le fruit du jardin. Et puis bah sinon, les amis, je vous souhaite une bonne matinée, et puis bah, on se retrouve dans le prochain épisode de Destiny, voilà. Gros gros bisous, ciao ciao.